Bande d'Aolio, salam ave. Amen. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Et écouter donc la direction du Seigneur pour notre vie. J'espère aussi que vous qui êtes en province, vous êtes en train de bien voir et bien écouter. Nous allons donc chercher le Seigneur et demander sa présence. Allez, mettez la main contre votre cœur. Seigneur, qui peut entrer dans ton sanctuaire pour t'adorer? Seigneur, qui peut entrer sanctuaire pour t'adorer? Celui qui a le main lavé, le cœur purifié, qui n'a pas de vanité et qui sait aimer. Celui qui a le main lavé, les cœurs purifiés, qui n'a pas de vanité et qui sait aimer. Seigneur, qui peut entrer dans ton sanctuaire pour t'adorer? Seigneur, qui peut entrer dans ton sanctuaire pour t'adorer? Celui qui a le main lavé, le cœur purifié, qui n'a pas de vanité et qui sait aimer. Celui qui a le main lavé, le cœur purifié, qui n'a pas de vanité et qui sait aimer. Et qui sait. Seigneur, je veux entrer. Seigneur, je veux entrer dans ton sanctuaire pour t'adorer. Seigneur, je veux entrer. Seigneur, je veux entrer dans ton sanctuaire pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur, lave mes mains. Seigneur, lave mes mains et purifie mon cœur. Et purifie mon cœur. Ôte ma vanité. Ôte ma vanité. Donne-moi ton amour. Donne-moi ton amour. Seigneur, lave mes mains et purifie mon cœur. Ôte ma vanité. Donne-moi ton amour. Seigneur, viens purifier tout ce que nous sommes. Tu peux venir à Dieu et dire que nous sommes. Enlève, Seigneur, toute la vanité à l'intérieur de notre cœur. Tout ce qui est contraire à ta volonté, Seigneur. Fais en sorte au Saint-Esprit que nous puissions véritablement cet après-midi sortir d'ici avec ta direction. Présentez votre vie à Dieu maintenant. Présentez votre cœur au Seigneur Jésus. Demandez-lui de diriger votre vie en cet après-midi. Qu'il parle avec vous. Que le Seigneur Jésus vienne orienter votre vie.
que le Saint-Esprit vient diriger votre vie. Il te dirige tout ce que je suis, mon Dieu. Viens parler avec moi cet après-midi, Seigneur. J'ai besoin de ta direction, Saint-Esprit. Alors parle avec ton Dieu. Lave mon cœur, lave ma main, enlève les crimes de ma main, enlève le péché de ma main, purifie tout mon cœur, Seigneur Jésus. Ôte aussi toute la vanité de mon cœur et fais en sorte, mon Dieu, qu'en cet après-midi, je puisse véritablement avoir une rencontre personnelle avec mon Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je puisse te voir dans ma vie, Seigneur. Oh, dirige la vie de tous tes serviteurs. Dirige la vie de tes servantes. Fortifie, bénis, Seigneur, le corps des assistants dans cette nation. Que nous formions un bloc pour avancer contre les œuvres du diable. Seigneur Saint-Esprit, que toutes les œuvres du diable soient vouées à l'échec et que nous soyons un instrument de vie sur la vie de ton peuple. C'est ce que nous te demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous qui croyez, dites Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais vous parler de deux sujets. Tout d'abord, concernant les réseaux sociaux. Autrement dit, Facebook. Nous qui sommes serviteurs de Dieu, ici, nous devons faire attention à ce que nous mettons sur les réseaux sociaux. Donc, à la base, les réseaux sociaux, c'est le cercle de personnes qui comportent, qui sont dans ton cercle social. C'est des personnes à qui on partage un cercle social avec ces personnes-là. Après, vous avez le média social. C'est-à-dire que dans nos pages, dans nos réseaux sociaux, au départ, ça sert à quoi? Au départ, leur idée était que si je ne voyais pas une personne depuis longtemps, je pouvais le trouver dans les réseaux sociaux. Donc, on pouvait donc retrouver des personnes qu'on ne voyait pas depuis longtemps dans notre cercle social. Ensuite, avec le temps, les réseaux sociaux sont devenus une certaine exposition de vie. Erronément maintenant, les personnes ne comprennent plus qu'est-ce que c'est ces réseaux sociaux-là. Et là, on entre dans notre cadre, nous qui faisons l'œuvre, nous qui servons Dieu. Nous qui servons Dieu par rapport à nos réseaux sociaux. C'est que, qu'est-ce que je veux montrer par rapport à mon réseau social? Qui est dans mon cercle de réseaux sociaux
sociale. Est-ce que ce sont les personnes de la foi? Donc, ça fait le cercle social, mais des personnes qui sont dans la foi. Donc, en dehors de mon cercle social, j'ai aussi le cercle peut-être du travail ou de l'école. Ça commence déjà donc à étirer en dehors simplement de mon cercle social de personnes spirituelles. Ces personnes qui ne sont pas dans un cercle social comme nous, par exemple, qui faisons l'œuvre de Dieu, à chaque fois que ces personnes vont publier n'importe quoi, parce que ces personnes sont dans les cercles d'amitié sur les réseaux sociaux. Donc les systèmes de ces réseaux sociaux font en sorte que quoi que la personne fasse, tu vas le voir. Maintenant, la question que nous qui faisons l'œuvre de Dieu, on se pose, c'est à quoi sert moi, mon profil Facebook, je ne sais pas, ma page Facebook, ça sert à quoi? Parce que les autres doivent vous voir, qui ne vous connaissent pas, ça fait longtemps, donc le seul moyen de garder contact avec ces personnes, c'est par les réseaux sociaux. Serviteurs, servants de Dieu, vous qui avez un réseau social, votre page sert à quoi? Cette page sociale que nous en avons, elle peut cacher tout simplement une manière que les diables travaillent pour mettre notre égocentrisme en évidence. Sans parler que ça va exposer notre vie aussi. Ça va exposer notre vie et les gens vont profiter de nos informations pour envoyer n'importe qui. Nous devons faire très attention avec ces questions de réseaux sociaux. Vous habitez, tous ces genres de choses. C'est trop d'informations que vous mettez publiquement. Après aussi, lorsque nous allons poster quelque chose sur notre page, on doit se demander pourquoi vais-je poster ça. Imagine que tu fais une photo et qu'il y a les toilettes derrière, il y a les WC quoi. Donc, tchaf! Et en bas, tu as un missi. Missi VC, Zan. Faites très attention avec les photos postées sur les réseaux sociaux. Lorsque vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous devez vous demander pourquoi je poste ça. Après, il y a le phénomène de like, de j'aime. Allez, soyons tous d'accord que si l'on poste une photo sur les réseaux sociaux, ça doit être quelque chose qui va attirer l'attention des autres. Et si je mets donc une photo et qu'il n'y a pas de like là-dessus, ça me change un peu. On dirait que les gens n'aiment pas ça ou quoi? Maintenant, si je mets quelque chose et qu'il y a beaucoup de likes, ça devient maintenant comme une drogue.
Donc je me vois toujours censé à pousser à mettre des choses pour que je puisse me sentir bien, du fait que les gens se sentent bien, du fait que c'est que je suis en train de mettre là. Et vous remarquerez que tous les choses où il y a beaucoup plus de j'aime ou de like, ça doit être des choses drôles, voire stupides. Si vous mettez un verset biblique ou vous mettez quelque chose à la Bible, ah, vous aurez quelques likes là. Mais si quelqu'un met un alik là qui est en train de faire malout, et ça devient un partage sur des choses inutiles. Alors faites attention avec l'exposition de votre vie privée. Faites attention lorsque vous mettez une photo, notre photo à nous sur Facebook. Qu'est-ce qu'on cherche avec ça? Nous devons faire très attention parce que notre égocentrisme peut être touché là-dessus. Sans parler de l'exposition privée de votre vie. Vous faites la portion photo de tchounj, je mange un tchounj, plaf. Et lorsque le jour que tu manges les moufs sans rien de tout, il faut aussi faire une photo pour poster là. Tu vois, donc les photos que nous allons mettre sur les réseaux sociaux doivent être bien définies. Pourquoi suis-je en train de mettre ça? Afin que vous puissiez garder plus votre vie privée. Amen. Et faites attention avec ce qui est à l'intérieur de vous par rapport aux réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, pour les personnes du monde, les gens du monde, s'ils sont tristes, ils écrivent sur leur page. Je suis triste. J'ai une nièce qui a écrit un truc là ce jour-ci. Mon cœur saigne. Et tu es le couteau qui est en train de saigner mon cœur. Chaque goutte de mon sang est un truc affreux là. Ma nièce à moi. C'est-à-dire, la personne prend ce qui est à l'intérieur d'elle et expose publiquement. Non, ne faites pas ça, préservez votre vie là. Amen. Et faites attention aussi avec les personnes que vous acceptez comme amis. Et d'ailleurs, je vous invite à faire un nettoyage de votre page, de personnes qui n'ont rien à voir là. Qui publie du n'importe quoi. Hein? Et lorsque la personne publie, vous allez voir aussi du n'importe quoi. Veluma. Faites un nettoyage là-dessus. Et très attention avec l'exposition de votre vie privée sur les réseaux sociaux. Comme adresse votre maison, ce genre de choses comme ça. N'exposez pas votre vie sur les réseaux sociaux. C'est la première chose. La deuxième chose, vous avez besoin de Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. T'es à tout revu en arrêt ou ça on? Miss Fangine? Miska? Raté à tout qu'elle en arrêt ou? Il suffit de lever la main parce qu'on va donner un petit coussin là.
Luc 24. Pourquoi ça ne fonctionne pas, ce négocio? C'est le groupe. C'est le groupe. J'aurais dû couper ce truc-là. Je souffle. Ça ne supporte pas. Donc, ouvrez la porte, là. Timbo, parce qu'Afghan ne va pas la fin d'année. Luc 24. Luc 24. Verset 13. Bon, Michel, je te laisse à la lecture. Jusqu'à dans son verset, ah, ça va aller loin là. Ça va aller loin. Verset 33. On va faire une longue lecture de la parole des dieux. Après, on va avancer au fur et à mesure, décortiquant ce que le Seigneur veut nous montrer. Nefa, ni masni reu, nu azuna mbati afantarani azi. Stop. Donc, vous avez deux disciples. Nous avons, maïta tiketu pianata nakuru. C'est bien ce que vous avez là, deux disciples là? Zenita naro pianata nakuru. Vous souratez où? Deux disciples. Nous avons les rôles là, des personnes qui servent Dieu. Oula, zé, manuponande mant. Ce deux disciples, vont dans un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem. Pendant que tous les autres sont à Jérusalem, ceux deux-là, là on est au troisième jour de la résurrection. Ces deux-là décident de s'éloigner des autres de Jérusalem. Ils ont combiné tous les deux de partir de Jérusalem. Ils sont en train de parler et Jésus s'approche d'eux. Et là vous avez qu'ils n'arrivent pas à reconnaître Jésus parce que leurs yeux sont fermés. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il y a quelque chose qui empêche ses disciples de reconnaître Jésus. Ensuite, ce qui suit dans le verset 17, 18, c'est que Jésus leur demande, vous parlez de quoi? Dans le verset 18, ils prennent Jésus comme un étranger. Est-ce que tu es le seul étranger ici à Jérusalem? Tu ne sais pas ce qui se passe en ce jour-ci? Donc ils ne reconnaissent pas Jésus. Et Jésus va faire semblant comme il ne sait pas. Qu'est-ce que se passe? Donc ils vont décrire Jésus ici. Dans le verset 19, il parle au sujet de Jésus de Nazareth. Prophète. Puissant en parole et en œuvre devant Dieu. Donc vous avez des disciples qui regardent Jésus comme étant prophète, pas comme étant leur Seigneur. Et ce qui suit donc, ils vont commencer à décrire qu'ils espéraient que Jésus allait délivrer Israël. On est dans le verset 21, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il n'y a rien qui est arrivé là. Ensuite, il y a des femmes d'entre nous qui nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps.
elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Donc Dieu a utilisé des femmes pour parler à ces deux disciples-là. Mais ils n'ont pas voulu ouvrir leur cœur et croire en cela. Lorsque nous sommes dans une situation spirituelle qui n'est pas bien, le Saint-Esprit va utiliser quelqu'un pour nous parler. Mais si nos yeux sont empêchés de voir, nous n'allons pas, on peut écouter ce que la personne parle, mais on ne va pas prendre à cœur. Verset 4, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Quoique Dieu a utilisé plusieurs d'entre eux pour les aider, pour les avertir, ils ont décidé de fermer leur cœur. Ok, il y a ceux qui ont dit qu'il est ressuscité, mais je ne l'ai pas vu là. Et Jésus appelle ces hommes de hommes sans intelligence. Là, il ne s'agit pas d'intelligence d'école, hein? C'est l'intelligence spirituelle dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. C'est lorsque Dieu veut nous avertir sur quelque chose, mais nous prenons beaucoup de temps à réagir par rapport à la parole de Dieu. C'est ça, avoir le cœur lent à croire. C'est-à-dire que quelqu'un peut nous parler, quelqu'un peut attirer notre attention. Mais ça prend beaucoup de temps pour que nous puissions changer. Donc notre cœur est lent à croire. Et là, le Seigneur Jésus va essayer de le faire comprendre. Expliquons toute la Bible. Imaginez un peu. Jésus a dû étaler toute l'écriture pour leur faire comprendre quelque chose qu'ils avaient déjà entendu. La Bible dit, commençons par Moïse. Et Jésus a parlé et parlé, commençant de Moïse, descendre prophète, jusqu'à l'événement de 3 jours passés. Mais ils n'arrivent pas à le reconnaître toujours. Alors moi je vous demande comme ça. Vous côtoyez une personne pendant 3 ans d'affilée. Vous gardez son visage. Vous gardez sa voix. Lorsque Jésus a ressuscité, il n'a pas changé de figure, genre devenir une autre personne. Non, c'est le même Seigneur, ressuscité. Sa voix n'a pas changé. Il est glorieux, mais sa voix n'a pas changé. Le visage que les disciples ont connu physiquement, c'est le même. Qu'est-ce qui faisait que ses disciples ne reconnaissaient pas Jésus? Vous étiez tous les jours avec lui.
La voix devait être familière à ses disciples. Malgré que Jésus a prêché la parole à ces autres-là, ils n'arrivent pas à les reconnaître. Parce que leurs yeux spirituels étaient fermés. Mais pourquoi leurs yeux se sont fermés? Pourquoi ils n'arrivent plus à reconnaître Jésus? Quand bien même que Jésus parle avec eux, ils n'arrivent pas à reconnaître sa voix. Or, les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Mais comme leurs yeux étaient fermés, quoi que Jésus leur parlait de la parole de Dieu, ils avaient du mal à voir. Ça, c'est Dieu, ça. Oh, Seigneur, c'est toi. Mais ils n'arrivent pas à le reconnaître. Lorsqu'il fut arrivé près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Ça, c'est Jésus. Et est-ce qu'ils étaient les seuls à avoir quitté Jérusalem? Donc Jésus allait, mais il semblait continuer sa route. Qui était là-bas? Pour que Jésus puisse aller plus loin. Qui s'est garé là? Il y avait ceux qui étaient déjà en route, mais qui étaient un peu plus loin. Donc Jésus a semblé aller plus loin. Qui encore s'est éloigné de Jérusalem? Qui encore, comme ses disciples, ont tout simplement déserté dans leur foi spirituelle et s'éloigner carrément de Jérusalem? Alors ils ont contraint Jésus à rester. Reste, Seigneur, il fait déjà tard. Heureusement pour eux. Parce que s'ils n'auraient pas retenu Jésus, ils ont retenu Jésus. Seigneur, reste, ils ne savent pas qui est-ce, mais reste avec nous. Parce que s'ils n'auraient pas retenu Jésus, ils allaient se perdre. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, le soir est proche. Les jours sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparu de devant eux. Quel est le rapport entre le pain rompu et l'ouverture de leurs yeux? Qu'est-ce que Jésus les a dit avant le Gethsémani, lorsqu'il a brisé le pain? Ceci est mon corps. Donc, autrement dit, mon sacrifice pour vous. C'est par le sacrifice du Seigneur que les écailles tombent des yeux des serviteurs. Donc, le pain rompu est en train de leur dire, vous aussi, vous devez sacrifier. Séparez-vous de ces choses-là. Donc, lorsqu'il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Donc ce sacrifice du Seigneur, le corps de Jésus, qui s'est sacrifié pour nous, voilà la force des serviteurs et des servantes de Dieu.
Isaï nuer ni panu plas panu vavna demanta. Levez-vous, je vous en prie. Mitsangana nos avanti. Notre force spirituelle, ni herzi ki arapana, c'est notre vie en faveur des âmes. Si vous ne rompez pas votre vie assistant ou assistante, si vous ne brisez pas votre vie, vos yeux seront fermés. Vous n'allez pas voir Dieu dans votre vie. Dieu vous appelle pour donner votre vie en faveur des autres. Combien plus vous vous donnez pour les gens, plus vous voyez Dieu dans votre vie. Donc, rompre le pain était synonyme de sacrifice. Voici ce que vous devez faire. Donc lorsqu'ils ont, ils ont baissé la tête, le temps de baisser la tête, et les écailles de tomber des yeux là, tout de suite ils se sont rappelés. Donc on appelle premier amour. Lorsque Jésus a brisé le pain, ils se sont rappelés. Et qu'est-ce qu'on fait avec le pain? On mâche ça. Vous voyez la manière dont nous mangeons le pain de la Sainte Cène là? Vous le faites doucement? Comment vous le faites? Vous avez pitié de ça? Oui ou non? Oui, vous ne pensez pas, vous mangez simplement. Mais vous imaginez la pression exercée sur ce petit morceau de pain par les dents? Oh, vous ne voyez pas, c'est juste un petit morceau de pain, on met dans la bouche, après on mâche, mâche, on avale. Imaginez un peu la pression que nos dents exercent sur les petits moufles. Jusqu'à les réduire à rien. Et après, vous le faites disparaître. Pour que Dieu soit glorifié dans votre vie, c'est cette même pression qui doit s'exercer sur les choses charnelles à l'intérieur de vous. Je brise le pain, je vous donne. Exercez cette pression. Vous allez manger, mais détruisez cette incrédulité. Toutes ces choses à l'intérieur de vous. Ou bien vous avalez le pain. Vous avalez le pain. Prenez un petit morceau. Qu'est-ce qu'on fait avec le pain? C'est ça qu'on doit être. Est-ce que tu es en train de permettre à ce que le Saint-Esprit vienne exercer la pression sur ce que tu es? C'est pourquoi Jésus a dit, voici mon corps. Mais ce corps doit être, oh, regarde. Et lorsque notre chair est détruite, c'est comme ça que Dieu sera glorifié dans notre vie. Quel genre de morceau de pain êtes-vous? Celui à qui l'on va détruire. Comme vous faites avec le pain de la Sainte Cène. Vous mettez simplement à la bouche, tchak, 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 paf, vous avalez ça. Mais vous n'imaginez pas la pression exercée sur ce petit morceau de pain. Et lorsque ses yeux, leurs yeux se sont ouverts,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Que se passe-t-il lorsque les serviteurs, la servante de Dieu se laisse exercer la pression du Saint-Esprit? Veuillez vous asseoir. Mais regarde ce qui se passe lorsque les yeux ouvrent. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Assistant. Que se passe-t-il lorsque vous lisez la Bible? Est-ce que Dieu réussit encore à parler avec vous lorsque vous lisez les Écritures? Est-ce que vous réussissez à trouver la parole de Dieu ou la voix de Dieu dans les Écritures? Est-ce que tu cherches l'affermissement dans la parole de Dieu? Que se passe-t-il si quelqu'un s'assoit à côté de toi et te dit, viens, écoute, il est écrit ici dans la parole de Dieu. Ton frère, ta soeur te dit, viens. Tu vois, il est écrit ici. Comment réagis-tu? Est-ce que tu dis, Ok, j'ai déjà compris, c'est bon. Est-ce que ton cœur brûle lorsque tu vois la parole de Dieu? Est-ce que lorsque tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit brûle l'intérieur de ton cœur? Est-ce que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, est-ce que lorsque tu écoutes la prédication, est-ce que ça brûle l'intérieur de ton cœur? Est-ce que lorsque tu t'arrêtes pour servir à l'église, cette parole, elle est pour le peuple ou elle est pour toi? Est-ce que lorsqu'on est en train de servir, nous disons comme ça, j'espère que les gens sont en train de comprendre cette parole-là? N'est-ce pas que notre cœur brûlait lorsqu'il nous parlait de l'Écriture? Est-ce que la parole de Dieu brûle encore ton cœur? Où sommes-nous devenus insensibles à la parole de Dieu? Comment réagissons-nous face à la parole de Dieu? S'élevant à l'heure même, ils sont allés où? Jérusalem. C'est de là où ils avaient quitté. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Donc Emmaüs représenter l'éloignement spirituel. Emmaüs représentait l'éloignement de l'autel. Emmaüs représentait l'éloignement du feu ardent de Dieu. Emmaüs représentait tout simplement l'éloignement de choses de Dieu. Parce que c'est là-bas où tout s'est passé, les sacrifices s'est passé là-bas. C'est là-bas où ils ont fait l'œuvre de Dieu, c'est là-bas où ils ont servi Dieu, donné leur vie. Et ils ont pris la route d'Emmaüs.
Donc, en s'éloignant de Jérusalem, ils étaient en train de s'éloigner de l'autel de Dieu, du feu de l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous les gens qui ont été en Jérusalem, ils ont été en Jérusalem, ils ont été en Jérusalem. Et regardez l'impact qui a la parole de Dieu à l'intérieur d'une personne qui brise son cœur. Sur le champ, on retourne à Jérusalem. Pas question de rester ici à Emmaüs. On retourne à Jérusalem. Ils sont retournés à Jérusalem. Donc, sur le champ, retourner à Jérusalem. Êtes-vous à Emmaüs en ce moment? Est-ce que vous êtes en route pour Emmaüs? Est-ce que vous êtes en train de vous éloigner de votre premier amour? Est-ce que êtes-vous devenu insensible aux choses de Dieu? Est-ce que l'œuvre de Dieu est devenue un fardeau pour vous? Parce que ceux-là, c'est par rapport à un certain Jésus. Bon, il était puissant en œuvre. Donc pour eux, tout était au passé. Il parlait de Jésus au passé. Un prophète qui était puissant en œuvre, il parlait au passé. Mais lorsqu'ils ont reçu la parole, et que les yeux sont ouverts, à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les onze. Voyez que les onze n'étaient pas sur la route d'Emmaüs. Les onze étaient dans les sacrifices. Combien même qui avaient les menaces de mort, c'était chaud là, mais ils restèrent là en Jérusalem. Et ils trouvèrent les onze, ceux qui étaient avec eux, assemblés. Ils étaient ensemble. Dans la même foi, dans le même esprit, dans la même détermination. Et disons, le Seigneur est réellement ressuscité, donc ils écoutent les autres qui parlent. Le Cléopas là, lorsqu'il arrive avec son camarade. Si étonnant qu'ils soient, ils écoutent les autres parler que Jésus a vraiment ressuscité. Regarde un peu leur réaction. Et ils, donc Cléopas et son camarade, racontèrent ce qui leur est arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompirent le pain. De ari ireo kosa de laza izay efa niseho teny an-dalana sy nafantarany azy tamin'ny namakenany mofo. Tandis qu'il parlait de la sorte, raha mbola niresany izany izy, lui-même se présenta au milieu d'eux. Jesosy de nitsangana teo afovoany. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur est apparu au milieu d'eux? Itanareo ahoana ny fomba nisehoan'ny tompo teo anivon'izy ireo? Parce qu'ils étaient tous dans la même foi. Il n'y avait plus les Cléopas là qui voulaient prendre la route d'Emmaüs. Donc pendant qu'ils parlaient de la résurrection, Jésus s'est manifesté au milieu d'eux. Lorsque nous annonçons la parole de Dieu, Jésus se manifeste au milieu de nous. Mais si nous nous éloignons de Jérusalem, nous nous éloignons de la résurrection, nous allons parler, Jésus va apparaître, mais on ne va pas reconnaître que c'est lui. Mais comme il parlait de résurrection, Jésus est apparu au milieu d'eux. Et lorsqu'il est apparu, ils ont reconnu. Il est apparu au milieu d'eux, il a dit la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et épouvante, il croyait voir un esprit.
Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? J'imagine les deux autres qui avaient déjà vu Jésus avant. Ils ont dû être contents de le revoir encore. Mais les autres n'avaient pas encore vu la résurrection. Et lorsque Jésus est apparu, ils ont eu peur. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu dans la peur, mais dans la confiance de tout notre cœur, de toute notre force. Servons Dieu avec un cœur ferme. Soyez sûr, c'est quoi ces pensées qui passent dans votre tête? Lorsque le diable veut nous faire croire que l'œuvre de Dieu c'est comme un matoutou. Et Jésus a dit, réassurez-vous, c'est moi. Et il leur montre les mains. Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc vous voyez, c'est le même Jésus qui était avec eux. Pour finir, le verset 45 dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Maintenant vous pouvez vous lever. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Parce que leur cœur était dominé par la peur. Jésus a ouvert l'esprit des disciples. Nous devons servir Dieu en esprit et en vérité. Qu'importe l'émotion, nous devons servir Dieu par l'esprit. Jésus a ouvert l'esprit des disciples. Et ce qui a suivi, c'est l'évangile de puissance. Nous devons influencer le salut des âmes. Nous qui servons Dieu, Dieu va réclamer les âmes entre nos mains. Qui vous êtes en train de sauver? Qui vous êtes en train de suivre à l'église? À qui vous êtes en train de donner toute votre vie? À qui Dieu est en train de vous utiliser pour sauver les gens? Connaissez-vous les personnes qui sont à l'église qui sont perdues? Connaissez-vous au moins les noms des personnes à l'église? Reconnaissez-vous les personnes qui sont pour la première fois à l'église? Est-ce que lorsque vous passez dans votre église, est-ce que vous êtes capable peut-être de regarder cette personne et voir qu'elle ne va pas bien? Où sont fixés tes yeux? Est-ce que tes yeux sont fixés sur les âmes ou tu marches en regardant lointain? Est-ce que l'Esprit de Dieu est en mesure de te montrer, regarde cette personne? Comment faisons-nous lorsqu'une personne s'approche de nous, une âme qui souffre? À l'exception des problèmes de santé, quand est-ce que vous sortez pour aller dans le champ? Gagner les âmes. Aller gagner des âmes. Sauver des gens.
Parce que c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Pour que nous puissions sauver les âmes. Quel genre de serviteurs servantes nous sommes? Qui nous sommes en train de sauver? Est-ce qu'on est trop préoccupé de notre vie en oubliant les âmes? Combien plus nous sauvons les âmes, nous nous donnons pour les gens, le Saint-Esprit va nous honorer. Évangile de Jean 12, 24. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors, retournez d'Emmaüs. Nous en. Miala avane Emmaüs. Si à l'intérieur de vous vous êtes dans l'Emmaüs, retournez-en. Si vous êtes en train de vous éloigner d'Emmaüs de Jérusalem, retournez-en. Parce que le Seigneur Jésus est en train de vous parler maintenant. Voyez s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de te retirer de Jérusalem. Te faisant marcher sur la route d'Emmaüs. Il n'est pas là-bas. Il est à Jérusalem. Et vous allez voir plus tard qu'il dit comme ça, ne vous éloignez pas. D'où ça? Aïsa, Jérusalem. Bon, c'était pas l'endroit pour rester. Hein? Parce qu'il y avait le, danger de mort. On cherchait les disciples. Et Jésus leur dit, ne bougez pas. La puissance de Dieu se manifeste dans les moments difficiles. Dans les luttes, dans les provations. C'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Donc, si vous êtes en train de traverser un moment difficile, et que vous voulez sortir de Jérusalem, c'est dans Jérusalem que tu vas voir la puissance de Dieu. Emmaüs, c'est la perte. Et Jésus semblait aller plus loin. Qui était là-bas déjà? Mettez la main contre votre cœur. Fermez les yeux au nom de Jésus. Élève tout un petit peu ta face vers Dieu. Sur quelle route tu te trouves en ce moment? Est-ce que tu es sur la route d'Emmaüs? T'es éloignant de Jérusalem. Éloignant ton cœur de l'autel de Dieu. Éloignant ton cœur de ton premier amour. Où es-tu? Où vas-tu? Sur quelle route tu marches? Est-ce que tu es en train de reconnaître Jésus qui te parle? Ou encore tes yeux sont remplis d'écailles? En train d'aller vers Emmaüs. Entraîné peut-être par des choses erronées. Par les découragements. Par des situations difficiles. Et le Seigneur, en ce moment, ouvre tes yeux. Et ainsi comme les deux disciples retournèrent à Jérusalem. Alors, retourne à ton premier amour. Retourne à ta communion avec Dieu. Peut-être que tu ne sens plus le Saint-Esprit utilisé. Tu ne sens plus la puissance de Dieu brisant les cœurs lorsque tu parles. Peut-être que tu es en train de devenir un assistant, une assistante, une personne normale, commune comme les autres. En train de perdre la flamme du Saint-Esprit. Demande au Seigneur Jésus d'ouvrir tes yeux et ton esprit. Afin qu'il t'utilise. Regarde au plus profond de toi-même. Il y a un Emmaüs là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui représente Emmaüs?
alors demande au Seigneur de rester avec toi. D'ouvrir tes yeux. Et retourne à Jérusalem. Retourne à ton premier amour. Et retourne à ta communion avec Dieu. Retourne à Jérusalem. Retourne au salut des âmes. Retourne en te donnant entièrement à Dieu. Demande à Dieu pardon pour toute négligence. Parce qu'il est écrit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alors demande au Saint-Esprit de pardonner tes failles et tes erreurs. Si vous êtes tombé dans la tentation, s'il y a une tentation d'Emmaüs dans laquelle tu es tombé, ne reste pas dans ça. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Si tu es tombé dans l'Emmaüs, demande de l'aide. Afin que le Saint-Esprit vienne te relever et te fortifier. Oh Saint-Esprit, viens toucher cette personne de ta puissance. Afin que ce mot montre la voie à suivre. Dites, viens mon Seigneur et lave mon être. Je reconnais que sans toi je ne suis rien, Seigneur. Dites, aide-moi, Seigneur. Relève-moi et fortifie-moi. Afin que je puisse t'aimer davantage et revenir à ce que j'étais avant. Si tu te sens égaré, demande l'aide au Seigneur. Demande l'aide au Saint-Esprit. Il vient maintenant pour te relever. Il vient pour te fortifier. Afin que chaque jour tu puisses aimer ton Dieu. Aimer ton Seigneur. Dites, viens Saint-Esprit et transforme mon être. Parce que sans toi je ne suis rien de tout. Oh Saint-Esprit, touche-moi de ta puissance. Parle avec le Seigneur, ton Seigneur. Parce qu'il est ici pour te relever. Pour te fortifier. Et il est là pour te relever en ce moment. Donc parle avec le Seigneur Jésus. Ouvre-lui ton cœur, dites, viens mon Seigneur, ouvre mes yeux, Saint-Esprit, ouvre mon cœur, retire tout ce qui n'est pas bien, demande à Dieu de retirer tout ce qui t'affaiblit, demande à Dieu de retirer tout ce qui te met sur la route d'Emmaüs et de te faire retourner à Jérusalem, à ton endroit de sacrifice, à ton endroit de premier amour. Demande au Seigneur Jésus de te fortifier par sa puissance. Oh mon Père, viens fortifier tes serviteurs, tes servantes, non seulement ceux qui sont ici, même ceux qui sont en province. Viens relever à tous, mon Dieu, que personne ne soit perdu. Et même si cette personne s'est égarée,
sur la route d'Emmaüs. Viens maintenant la relever, la fortifier par ta puissance. Dites, Seigneur, aie pitié de moi, mon Dieu, je t'en supplie. Je suis perdu, je suis égaré. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour me fortifier en ce moment. Parce que je ne vais pas être perdu à l'intérieur de mon cœur. Oh, viens, Saint-Esprit. Touche cette personne de ton pouvoir. Touche cette personne, ce serviteur, cette servante de ta puissance, mon Père. Et transforme, demande à Dieu son aide. Demande au Saint-Esprit de te relever. Demande au Saint-Esprit de te faire revenir sur la route de Jérusalem. Au nom du Seigneur Jésus, je me suis égaré. Je me suis égaré. Dans un abîme, je suis tombé. Dans un abîme, je suis tombé. Et par des sentiers inconnus. Par des sentiers inconnus, je suis tombé. Je m'angoissais. Je m'angoissais. Car rien je n'avais. Car rien je n'avais. Une vie sans aucun sens. Une vie sans aucun sens. Je vivais. Ma voix n'avait personne à qui clamer. N'avait personne à qui clamer. Et mes mains vides. Et mes mains vides. N'avaient rien, plus rien à montrer. C'était l'image de ma souffrance. De ma souffrance. Combien de nuits froides. Combien de nuits froides. J'ai dû supporter. Presque sans vie. Presque sans vie. Sans espoir. Sans espoir. J'ai crié ton nom. J'ai crié ton nom. Jésus. Jésus. Tu m'as relevé. Tu m'as relevé. M'as soutenu. Et m'as soutenu. Louis, aujourd'hui je confesse. Aujourd'hui je... Irin'Andriamanitra mito.
Saint-Esprit. Viens me remplir de ta puissance, mon Père. Oh, recevez la force de Dieu. Il enlève toutes les faiblesses de votre cœur. Il enlève tout ce qui ne vient pas de Dieu en vous. Dites, Seigneur, je me rends à toi. Je rends tout ce que je suis, mon Dieu. Je sais que je ne suis pas digne, mon Dieu. Mais baptise-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta puissance. Car tu es la force de ma vie. Sans toi, je ne suis rien de tout. Donc, touche-moi de ton pouvoir. Touche-moi de ta puissance. Parce que je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans la présence de ton esprit. Aujourd'hui, je veux sortir d'ici renouvelé de ta puissance. Je veux sortir d'ici avec ton amour à l'intérieur de moi. Que ta présence soit la force à l'intérieur de moi. Parce que je sais que lorsque je t'adore, ta présence est là. Oh, touche tes serviteurs. Parce que ta présence est notre force. Dites, Saint-Esprit, tu es ma force. Tu es la force de ma vie. Il vient pour te remplir maintenant. Oh, touche tes serviteurs. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, mon Père. Alléluia, Rai. Il te remplit de sa force. Reçois la force de Dieu en toi. Reçois la force du Saint-Esprit. Il vient te toucher de son pouvoir. Dites, voici toute ma vie à tes pieds, Seigneur. Directionnez vos deux mains sur l'autel et dites, j'abandonne toute ma vie sur ton autel. Et je fais un vœu de te servir comme jamais. De te servir comme jamais. De servir de toutes mes forces. Je fais un vœu de revenir à mon premier amour. Parce que je sais que ta présence est ici, Seigneur. Oh, Seigneur, remplis-moi de ton pouvoir. Dites merci pour ta présence. Merci pour ton esprit, Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est la force en toi. Merci pour tout, mon Dieu. Reçois la vie de tes serviteurs entre tes mains. Que tu les remplisses de ta puissance. Que tu les remplisses de ta force, mon Père. Soyez tous fortifiés au nom de Jésus. Recevez la force de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur renouvelle ton intérieur. Il renouvelle ta force. Soyez touché par la présence de Dieu. Fortifié par le Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites Amen. Tiens, enfant de Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Grâce à Dieu. Amen. Venez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Vous savez que cette semaine, nous sommes en train de faire, nous allons commencer aujourd'hui à minuit, ce propos de 7 jours pour la famille. Mais vous allez faire pour vous aussi.
Parce que vous devez être un témoin vivant au sein de votre maison. Donc au lieu simplement de prier pour votre famille, vous allez prier pour votre vie spirituelle aussi. Vous pouvez prendre votre tenue par exemple à minuit et le présenter à Dieu. Même si aujourd'hui c'est un peu sale, c'est pas grave, tu prends ça et tu présentes à ton Dieu. Mais il ne faut pas entasser ta tenue, il faut les plier. Même si c'est sale aujourd'hui, vous n'aurez pas le temps de laver et sécher. Mais plie ta tenue et à minuit tu vas prier avec. Les assistants doivent prendre la cravate et lever au ciel et prier à minuit. Et les assistants doivent prendre toute la tenue, bien arrangez-la et présentez à ton Dieu. Mon Dieu, sanctifie, sers-toi de ma vie, Seigneur. Vous devez plus que jamais être utilisé par Dieu pour sauver les âmes qui sont en train de se perdre. Amen. Nous allons finir la prière si par hasard vous n'avez pas été consacré le matin. Vous allez le faire maintenant. Les passés qui sont en province, vous pouvez le faire. On va arrêter la transmission live. Vous pouvez continuer en province et dans le district au nom du Seigneur Jésus. Si vous n'avez pas été consacré le matin, si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez venir sur l'autel. Au cas où vous n'avez pas eu le temps d'être consacré le matin. Quelqu'un n'a pas eu le temps d'être consacré le matin? Si c'est le cas, vous allez venir sur l'autel et honorer Dieu. Donc cette semaine, 7 jours de prière intense à minuit. Vous pouvez retirer ça s'il vous plaît pour que les assistants puissent passer, Zéphanie. On peut enlever un peu, grâce à Dieu. Amen. Levez-vous, nous allons finir la prière. Préparez votre offrande, les passeurs seront ici. Lorsque vous allez passer, vous allez pouvoir présenter votre offrande à Dieu et être béni au nom de Jésus. Si vous n'avez pas pu être consacré le matin, vous devez monter sur l'autel.